Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve du coup pour une ouverture donc d'un duo pack et d'un booster tout seul, voilà, Forever Alone. J'espère en tout cas, voilà, que vous avez passé une bonne année, un bon petit réveillon tranquille ou agité, hein. De toute façon, c'était le dernier jour, donc autant en profiter un maximum. Et pour commencer, eh ben voilà, j'ai décidé de faire, comme je l'avais dit, une petite ouverture tranquille, sympa. On verra pour faire des ouvertures un peu plus longues et tout. Du coup, dans les semaines à venir, parce que j'avais franchement pas le temps, et du coup, voilà, je me suis dit que ça faisait longtemps que j'avais en plus ces boosters-là. De toute façon, ça se voit, hein, Ultra Prisme, ça date d'un petit peu, et puis Invasion Carmin et Evolution, bon, le tripack, il date aussi quand même un petit peu. Donc, je me suis dit, voilà, je vais mettre des petits trucs simples, parce que ça fait longtemps, au final, que j'ai pas ouvert des boosters simples. À chaque fois, c'est soit des coffrets, soit des Pokébox, ou ce genre de choses. Donc, voilà. On va rester franchement soft pour commencer l'année. Ça sert à rien de démarrer sur les chapeaux de roue. Hop. Alors. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Bon, au moins, je devrais pas avoir de scotch. Bon, je l'ouvre franchement comme une grosse merde. Je l'avoue. Je l'avoue, je l'avoue. Hop. Hop, voilà. Alors du coup, un booster évolution, encore et toujours, bah oui, ils ont eu du mal à les vendre. Donc bon, Invasion Carmin, et du coup voilà, trois cartes, donc c'est trois cartes rares, c'est même pas trois cartes promotionnelles. Donc franchement, si vous les avez même pas eues dans les boosters, et ben vous aviez juste à acheter, voilà, ce tri-pack, et vous les aviez tout de suite. Donc ça, c'était vraiment cool. C'est sympa quand ils mettent quand même des cartes comme ça, qui sont pas forcément des promotionnelles. Alors, hop, le petit jeton qui est tout simplement Métallos. Voilà, le joli petit Métallos. Vraiment sympathique quand même. Tac. Et du coup, les trois cartes rares. Donc, ces trois cartes rares, bah, de Soleil et Lune. Voilà, c'est juste qu'elles ont en fait un effet holographique, bah, différent, hein, l'effet holographique des promos. Donc, Trio Piqueur d'Alola, le Grotan Morve et du coup le Grolem d'Alola. Donc ça tombe bien parce que le Grolem d'Alola, je suis sûre de ne pas l'avoir. Le Grotan Morve, j'ai un mini, mini, mini doute. Et le Trio Piqueur, je crois que je l'ai. Mais bon, comme je l'ai dit, vu qu'ils ont un effet holographique différent en fait de la série normalement de base, ben, c'est quand même sympa de les avoir. Hop! Alors, est-ce que je vais avoir de la chance? Ou est-ce que, comme la semaine dernière, voilà, une petite GX tranquille, ça pourrait être sympa. Donc, on va commencer par Evolution, parce que, voilà, c'est plus vieux, hein, franchement. On va voir. Il me manque pas beaucoup de cartes, au final. Il me manque une rare et que des ultras après. Donc, ce serait bien que j'arrive à terminer. Alors, une, deux, trois, une, deux, hop! À terminer ça pourrait être vraiment bien. Alors, on commence avec deux duos. Ponyta, Nidormal, Otaria, Topicœur, Entretien, Tétarte. En rare qui me manque, c'est Léviator. Lien spirituel, Dracaufeu. Oh, on est déjà à la reverse. Oh, c'est une rare. Oh, c'est... Oh, Léviator, 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 Léviator. Oh, non! Non! Je voulais Léviator. Bon, bah, c'est pas grave. Et en normal. Oh, Dardanian. Le basique Dardanian, quoi. Que tout le monde a dû avoir une dizaine de fois. Bon, c'est pas grave. J'aurai Léviator un jour. J'aurai Léviator. Je veux Léviator. C'est le seul qui me manque en rare. Et il me manque Mélofée en normal parce que je l'ai eu en reverse. Il faudrait que j'arrive à la trouver en normal. Alors, Invasion Carmin, Ultra Prisme. On va ouvrir Ultra Prisme avant. Ouais. Ultra Prisme avant. Allez hop. Tac. Un peu d'Ultra Prisme. Un peu de prisme dans nos yeux. Un peu de couleur dans nos yeux. Une, deux. Voilà, trois, quatre, une, deux. Tac. Hop. Alors, Tortipousse. Électek. Oh, la peau avec le chou. Spododo. Magmar. Énergie foudre. Oh, le Chaffreux, c'est le gros patapouf, quoi. Le gros chacha. Yanmega. Belladonis. Oh, reverse une rare. Cool. Ouh, Kuratox. Joli, joli quand même. C'est pas trop mal, c'est pas trop mal. C'est quand même pas mal. Et en dernière. Ah, oh, on a rien. Mais c'est pas grave. Roserade, Roserade, bon, que j'ai déjà, mais c'est pas grave parce que je crois que le Kuratox, je l'ai pas. Et même si je l'ai, je crois que je dois pas l'avoir de toute façon en reverse. Donc, c'est cool quand même. C'est vraiment sympa. Hop, Invasion Carmin, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti.
Bon, après, même si j'ai rien, même si j'ai pas d'ultra ni rien, bon, c'est pas grave, on va pas commencer l'année non plus à ouvrir quelque chose avec plein d'ultra et tout. Je m'attends pas non plus à une ouverture exceptionnelle, de toute façon, hein, vous connaissez ma chance. Hop! Alors, du coup, Malos. Oh, le petit rond du dos. Neuneuf. Chinchidou. Chamallow. Énergie fée. Énergie riposte. Tritosaure. Rhum combat. En reverse, on a Barpo. Je savais plus pas qu'on était déjà rendu à la reverse. Et pour terminer, du coup, on n'a rien, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Ouais, on a vraiment Colossinge. Oh, il est pas mal. En pâte à modeler, je crois que je l'ai pas. Il me dit rien. Il me dit rien du tout. Oh, il est pas mal quand même. Il est beau, hein. Ça vaut quand même le Barpo, la tête de Barpo quand même dans cette extension, c'est magnifique. Non, bon, voilà, c'était une petite ouverture pour commencer l'année, pour débuter. Un petit Colossinge, un petit Coatox, voilà, un petit Staros. Bon, ça reste quand même plutôt sympathique, hein, avec un petit Roserade et un petit Dardanian. Et des cartes rares, voilà, avec holographique promotionnel. C'est quand même. Voilà, c'est soft, mais c'est quand même bien. Voilà, les amis, j'espère en tout cas que ça vous aura quand même plu. On démarre vraiment tout doucement. Mais après, voilà, les vidéos, elles vont s'enchaîner comme d'habitude. On va essayer de faire autant d'importations japonaises que d'ouvertures de boosters. On va essayer de faire un peu plus de vide-grenier cette année, je l'espère, hein. En tout cas, voilà, je vous souhaite un bon début d'année. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, n'hésitez pas à partager. Surtout, n'oubliez pas, dans Pokémon, il faut tous les...